Allez, les deux entraîneurs vont changer un petit peu. Paul Pogba. Autant de passivité, c'est assez risqué. Leandro Paredes. Neymar. Leandro Paredes. Ouais, superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. Sur le ralenti, qu'il n'y a pas assez d'agressivité sur le porteur, il n'y a pas d'intensité dans les duels. C'est quand même incroyable de voir cette passivité défensive. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Il est sur la trajectoire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'échappe. Et ça fait but. C'est dévié par le poteau. Mais ça termine dedans. On voit le ralenti. On voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. Ensuite, il négocie bien le face-à-face avec ce plat du pied en finesse pour marquer. Et l'entraîneur qui procède donc à un remplacement. Zéro, ils prennent le large. Idrissa Gueye. Allez, l'occasion de marquer avec ce duel. Oh, le but! Excellent travail dans cette ultime face-à-face. Le petit coup d'œil pour prendre l'information. Et la frappe en force pour conclure. Un peu de coaching pour l'entraîneur. Alors encore un but, le score qui est déjà de 4-0. C'est officiel désormais, ce transfert dont on n'arrêtait pas de parler et autour duquel se sont succédé les rumeurs et les démentis. Ce transfert donc a bien été confirmé. C'est un montant plus que correct pour un joueur en fin de carrière. Il y avait d'autres joueurs de talent sur le marché. Mais lui, on sait qu'on peut compter sur lui, qu'il va s'investir. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Est-ce qu'il va centrer? Il cherche une solution. Il a pris sa chance, mais la frappe est déviée. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. Allez, il continue. Oh là, heureusement qu'il était là. On se dirige vers une victoire assez nette. L'équipe qui a creusé l'écart maintenant. Un match très réussi, vraiment. Ouais, bien joué. Beau geste défensif. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment.
Changement de possession. Neymar sur l'aile, personne pour le contrer. Et l'occasion. Oh, le bel arrêt. Quel bel arrêt. Même si de toute façon, il y avait hors-jeu. Allez, changement avec un joueur qui va entrer. Ah, ça va pas être facile de s'en sortir. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Mbappé en bonne position. Ah, bien joué, super barré. Il peut le mettre. Oh, l'arrêt en deux temps. L'arrêt en deux temps. Première intervention exceptionnelle. Et puis le ballon qui est maîtrisé dans un deuxième temps. Et non, ça n'ira pas plus loin. C'est bien défendu. Kylian Mbappé. Pour Kylian Mbappé. Et elle est au fond. Cette série de passes à l'origine de l'action. Il choisit la force à la fin pour conclure. Il n'a pas cherché à placer son ballon. Ça fait 5-0, une rencontre qui tourne vraiment à la correction. Attention, il peut aller au bout maintenant. Le Paris Saint-Germain qui marque. On va voir tout ça. Il élimine bien son adversaire direct. Et ensuite, c'est moyennement joué hein, quand même. C'est même carrément raté, mais c'est ce qui trompe le gardien. Ah, ils explosent littéralement leurs adversaires aujourd'hui. On en est à 6-0. Oh, il est passé, il va pouvoir marquer. C'est déjà la troisième fois qu'il trouve le chemin défilé aujourd'hui. Allez, on revoit le troisième but. Troisième but personnel. Performance exceptionnelle hein, aujourd'hui. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Ah, c'est probablement le coup de massue. Ils ne pourront pas revenir. Les trois dernières minutes de ce match, on y est. Et il est dépossédé du ballon. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Bernat. Parker. On va jouer 3 minutes de plus. Oh, le bon ballon. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Ouais, l'excellente sortie dans les pieds. Ah, il fallait pas avoir peur. Oh, le ballon dangereux. Oh, oui, but.
c'est même plus un cadeau hein. À ce stade, c'est une invitation à marquer. Regardez ce ralenti qui est vraiment cruel. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. La dernière minute avant le temps additionnel. Interception. À la fin du match, à l'instant, c'est donc le Paris Saint-Germain qui se qualifie pour la finale. Il faut être honnête, hein, l'équipe était largement supérieure à son adversaire. Elle a été irrésistible dans cette demi-finale. Normal qu'elle poursuive sa route. Neymar, Leandro Paredes. Oh, superbe frappe en finesse, le gardien qui est battu. Qu'est-ce qu'il a fait? Et ça fait but, c'est dévié par le poteau, mais ça termine dedans. Idriss Agueye, allez, l'occasion de marquer avec ce duel. Oh, le but! Kylian Mbappé. Et elle est au fond!